Falaire, dans le massif de la Haute-Auvergne. Le massif du Puy Marie, au pied du Puy Violent, est connu désormais dans toute l'Europe. Nous avons eu la chance de rencontrer le curé doyen, l'abbé Élie de la Sellerie, qui va nous en parler avec toute sa compétence et tout son cœur. Notre-Dame de Lorette. À l'entrée de la cité, lorsque l'on vient du Puy Marie, c'est le petit pèlerinage, mais très ancien, fondé par un seigneur, le seigneur de la Jordanie, qui, revenant des croisades, a rapporté dans nos montagnes ce culte à la maison de Nazareth. La petite chapelle a beaucoup souffert. C'est Monseigneur Pagis, ancien curé de Salaire, devenu évêque de Verdun, qui l'avait fait restaurer il y a 100 ans. Et ce très bel ensemble du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est la maison de retraite, ou plus exactement, c'est l'ancienne maison des missionnaires diocésains. La première maison de retraite, fondée par Pierre de Lisée en 1532, était située près du Beffroi. Mais par la suite, après le départ des missionnaires, les pensionnaires sont venus habiter la vieille maison des missionnaires, beaucoup mieux située aux portes de la ville. Nous apercevons ici la chapelle où pendant l'été l'on fait de nombreuses expositions de peinture. Et voici l'église avec son beau chevet. L'église, c'est un des plus beaux monuments de Salaire. Une Pietà à l'entrée. Et ce porche, la plus ancienne partie de l'église, 12e siècle, restauré après l'incendie en 1887, avec de magnifiques sculptures représentant la faune et la flore de la région. Oui, vous allez nous la montrer tout autour. Le clocher a été reconstruit il y a 100 ans. On aperçoit tout à côté, dans l'ancien cimetière paroissial, le monument aux morts de la guerre de 14-18, qui a le mérite d'avoir été construit dans le style de la cité. Nous allons pénétrer à l'intérieur par la sacristie, où nous découvrons ce magnifique meuble du XVIIe siècle, qui vient vraisemblablement du couvent de Notre-Dame. Beaucoup d'objets ont été transférés à l'église lorsque ce couvent fut pris par l'État en 1905. Il a aujourd'hui été détruit. Ce meuble était vraisemblablement dans la sacristie du couvent. Le lutrin, original et très beau, c'est un lévite tenant l'antiphonaire. Dans la nef, de magnifiques lustres de l'époque Empire, en cristal. L'autel sculpté par Puech, un grand sculpteur qui fit de nombreux autels dans tout le diocèse. C'est lui qui a sculpté en particulier les deux grands autels latéraux de la cathédrale de Saint-Flour. Et ce qu'on peut remarquer, une Vierge dans l'attitude de Notre-Dame de Lourdes. Or, cet ensemble a été sculpté en 1876, quelques 20 ans après les apparitions de Lourdes. La mise au tombeau. La mise au tombeau, une œuvre d'art, une des plus belles d'Europe, sculpté en 1495. On peut admirer les visages, les mains des personnages. La Vierge est soutenue par Saint Jean et une sainte femme. Puis voici Marie-Madeleine. Et aux deux bouts du suaire, Nicodème et Joseph d'Arimathie.
Les visages sont pleins de tendresse et de compassion. Et voici le gardien du tombeau. Le Christ est étendu sur le suaire. Eh bien, montons jusqu'à la citadelle. En sortant de l'église, en effet, on accède à la place en montant cette rue piétonne et nous arrivons à l'admirable beffroi. Une croix de bois clouée sur le mur rappelle le sacrifice d'un défenseur de la ville, Philippe de Bénévent, prêtre qui, lors du combat du 1er février 1586 contre les Huguenots, trouva la mort à cet endroit, tenant d'une main son arme et de l'autre ses entrailles ouvertes. Nous voici maintenant sur l'admirable place de Salers, tant de fois reproduite, portant le nom de Tissandier d'Escoux. La maison de la Renade, la statue, le buste plus exactement de Tissandier d'Escoux, œuvre de Champeil, Grand Prix de Rome, c'était un agronome distingué, on lui doit d'avoir rénové la race bovine de Salers. Et voici la maison du notaire. La maison de la Renade. Dans la rue des Templiers, nous allons découvrir la maison des Templiers qui sert d'école. Partout dans la cité, de magnifiques portes. La maison Bertrandi, près de la porte de la Martille, une des deux portes qui défendait l'accès de la cité. Le chemin des loups. C'est l'antique sentier qui permettait de descendre dans la vallée. On peut y évoquer ici le poème d'Arsène Vermenouze. C'est la cité montagnarde taillée en pleine lave au cœur du haut pays et qui, depuis 1000 ans, sur nos monts et nos puits, sentinelles toujours debout montent la garde. Mais Salers, tout en conservant sa fière allure, regarde maintenant s'émietter ses remparts et la ronce poussée sur leurs débris épars et le lierre y flotter comme une chevelure. Nous voici maintenant à Barouze, la magnifique esplanade d'où l'on domine de 300 mètres la vallée. La vallée de la Maronne et la vallée de l'Aspre, et au fond, le puits violent. Et c'est ici que l'on a fait la photo de la fameuse publicité « L'Auvergne est un grand plateau de fromage ». Oui. Fond de la vallée, l'antique village de Saint-Paul de Salers.
Eh bien, merci, cher père de la sellerie. Un dernier coup d'œil dans la rue des Nobles. Oui, nous avons été conquis et nous reviendrons voir Salaire. C'est à vous maintenant, père Andrieux, de nous présenter Mauriac. Entre Dordogne et puis Marie, Mauriac, cité mariale, gardant précieusement le souvenir de Sainte Théodechilde, fille du roi Clovis, se dresse sur un plateau herbeux qu'un écrivain a qualifié de « planèse du vent fou ». En ce matin du 9 juin, nous voici sur le puits Saint-Marie, dominant la ville. Ce modeste sanctuaire abrite les reliques de l'ermite du 6e siècle. De l'animation sur ce promontoire aujourd'hui. C'est en effet la grande foire aux chevaux et au matériel agricole. Planons quelques instants à travers les stands. Les Weiss, c'est la maison mère des sœurs garde-malades fondée au siècle dernier par le père Jean-Baptiste Serre. Eh bien maintenant, je crois que nous sommes en ville, au centre de la ville. En effet, c'est la grande place bordée par la basilique, l'hôtel de ville et diverses maisons construites sur l'emplacement du monastère bénédictin Saint-Pierre, dont ne subsistent que le portail et la salle capitulaire en sous-sol. La basilique Notre-Dame des Miracles est un bel édifice roman du XIe siècle, avec ses deux clochers carrés encadrant le porche, sa tour lanterne, et son chevet aux trois absidioles. Le Christ, dans la mandorle de gloire, nous introduit dans le sanctuaire. Celui-ci est sombre et invite à la prière à Notre-Dame des Miracles, une statue du XIIIe siècle taillée dans le bois, mais dont on ne peut pas admirer la beauté artistique en raison de la chape royale qui la recouvre. «
La pièce maîtresse du mobilier est la cuve baptismale en pierre, une des plus monumentales et des plus originales d'Auvergne, avec ses sculptures polychromes. À l'extérieur, une lanterne des morts fin XIIIe et la croix commémorant l'exécution de l'abbé Fillol le 14 mai 1793. La servante des prêtres et des pauvres, Catinon Menette, était au pied de l'échafaud. Sa conduite héroïque durant toute la Révolution, racontée par le père Serre, lui vaudra peut-être demain d'être élevé sur les autels. Cardinal Saliège, enfant de Mauriac, vint souvent prier ici. Ce fut le premier évêque français à dénoncer la barbarie nazie sous l'occupation. C'est son titre de gloire. Continuons notre découverte de Mauriac, le collège des Jésuites, le second créé en France par la Compagnie de Jésus. Et tout près, la sous-préfecture, dans l'ancien hôtel particulier d'Orsay. L'école Notre-Dame évoquant Jeanne de Lestonac, nièce de Montaigne. La rue du Balat, enfin, avec l'école des frères. Après une matinée si bien remplie, il nous fallait bien un bon repas. À Mauriac le 11 mai 1986 pour la solennité de Notre-Dame des Miracles avec sa traditionnelle procession à travers toutes les rues de la cité avec ses enfants costumés en Jean-Baptiste, la fanfare de la Jeanne d'Arc et surtout les petits pages de Notre-Dame dans leur costume de l'époque Henri II. Cette année, la cérémonie est présidée par Mgr Patria, évêque de Périgueux. C'est pour tout Mauriac le sommet de l'année. Alléluia, 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 Alléluia.
prières à la Vierge Marie se perpétuaient tout au long des jours dans les familles de Haute-Auvergne. Tel était le sens de l'homélie de Monseigneur l'évêque. Alléluia, 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 Alléluia. Notre-Dame des miracles, priez pour nous.